Welcome to the Jean-Baptiste Show! Non, come on! Tu reposes 6 pieds sous terre! Je pense qu'il a mieux reposer 6 pieds sous terre et avoir un film à sa gloire qu'être en vie et être un gros nabab. En même temps, question de babisme, Microsoft n'est pas connu pour être la société la plus riche au monde! Vous n'êtes pas non plus connu pour faire de la qualité. Ouais, c'est sûr que vendre des accessoires qui coûtent un bras et qui se cassent facilement, c'est synonyme de qualité. Désolé de ne pas être à la ramasse en termes de téléphone immobile. Ouais, c'est vrai que sinon on n'a pas trop le temps de vendre des téléphones au prix d'un PC et de sortir un an après une version où il y a quasiment rien qui a changé. Au prix d'un PC? Au prix du PC de ta grand-mère, tu veux dire? Même si je peux comprendre que vu la qualité du matériel, on a tendance à les vendre au rabais. Désolé de pas mettre du bon matériel dans mes machines et de le vendre super cher et d'être incapable d'y mettre une putain de bonne carte graphique. Moi, mon système d'exploitation est stable, moi. Tu te fous de moi? Tu veux qu'on parle de Vista? Non! En attendant, mon gros, c'est pas sur ton système qu'on va jouer de Crysis 3, Battlefield 3 ou même Code. Ouais, mais j'ai tous les jeux de Valve et une grande majorité des jeux indépendants. Ouais, c'est vrai, du coup, tu sens comment de vivre avec 5 ans de retard. Je sais pas trop, tu lui commandes avoir une fenêtre comme logo? Change pas de sujet! Tout ce que tu fais, je le fais mieux que toi! Ouais, mais le jeu vidéo, c'est un peu facile. Ouais, c'est sûr que les gens sont vachement ici pour qu'on leur parle d'autre chose. Tiens, t'as qu'à leur parler du cours de ta bourse, je suis sûr qu'ils vont être super contents. Je pense qu'ils se feront toujours moins chier que t'entendre pas l'antivirus. Ou t'entendre leur expliquer comment changer un composant dans un Mac. Pas besoin de changer, ça ne tombe jamais en panne. Ouais, bah bonne chance en 2015 quand ta carte graphique fera tourner que Call of 1 en moyen. Oh, c'est quoi ça? Bah, je sais pas trop ce qu'ils cherchent. Ils sont là depuis longtemps, pendant tout comment ils étaient là aussi. Ils se multiplient, on dirait. Ils me font assez peur. Y'en a qui racontent même que c'est une alternative au système capitaliste, t'imagines? Ah bon? Pourquoi y'a un autre système?